grâce à un ami que j'ai découvert. Il joue en équipe U18 et du coup je suis tombé directement amoureux de ce sport. Et j'ai commencé par la science publique et après 4 ans j'ai commencé en... À l'époque ça s'appelait moustique et depuis je ne me suis jamais arrêté. C'est un sport complètement différent, je voulais essayer le foot mais j'ai essayé ça et je sais pas, c'est indescriptible. On commence, on ne peut plus s'arrêter. Et vu que j'ai commencé par la science publique, j'ai beaucoup patiné. Donc mon point fort quand j'étais plus petit c'était le patinage, je patinais plus vite que les autres. Mais après quand on grandit, il y en a d'autres qui sont plus forts que toi, c'est sûr. Mais après c'est la passion qui est au-dessus. Quoi. J'ai fait des stages équipe de France, pas les stages en équipe de France, mais pré-sélection, tout ça, ça m'a permis d'enrichir mon hockey. Après, j'ai joué avec des joueurs plus forts que moi qui m'ont permis de m'améliorer. Après, j'ai réussi à intégrer l'équipe 1, qui est là où j'ai vraiment à progresser, à apprendre à jouer avec des professionnels, des plus vieux, des papas, quoi. Et c'est là où j'ai appris vraiment le hockey. Je suis rentré dans l'équipe à m'entraîner vers l'âge de 17 ans. Il reste encore un niveau au-dessus, mais là, la division 1, moi je trouve ça incroyable. Déjà, je me suis vachement heureux de jouer ici avec mon club en D1. Moi, j'ai vécu la montée, c'était quelque chose d'inoubliable, je n'oublierai jamais. Et jouer avec des amis, parce que du coup, il y a des coéquipiers, mais il y a des gens qu'on connaît depuis des années, comme par exemple Célestin qui est le capitaine et moi je le remplace. C'est un ami, Benoît Barthaud, tout ça. Ils m'ont même entraîné quand j'étais gamin, donc c'est vraiment quelque chose qui m'a permis de... L'avantage, j'avais des amis dans l'équipe en plus, donc j'ai progressé. Et après, il y en a bien sûr les meilleurs, hein, je suis pas le meilleur, mais je suis content de jouer dans cette équipe. Je suis pas quelqu'un qui m'exprime beaucoup, parce que je suis un leader, faut demander aux gars, c'est pas moi de le dire ça. Mais j'adore être avec mon équipe, j'adore m'amuser, c'est comme une famille. Quoi. Je dirais que je donnerais tout sur la glace, 100% tout le temps. Même si on perd 5-0, 6-0, je donnerais toujours tout. Pour l'équipe, pas forcément pour moi, mais pour l'équipe. Après, je suis quelqu'un qui joue un peu, peut-être un peu trop physique, certains diront, parce que j'adore ça, aller au contact. Après, c'est mon style de jeu, je ne changerai pour rien au monde, mais j'adore ça, c'est mon jeu. Quoi. J'ai une grande gueule, comme on dit, puis je joue trop physique et des fois, ça ne plaît pas aux arbitres. C'est comme ça, c'est le hockey, c'est le jeu. Là où je me fais plaisir, c'est sûr, c'est quand on joue en power play, mais j'ai appris à aimer, c'est jouer en défense play. Avec par exemple Cyril Selin, on a appris à se connaître par cœur. Même si je suis un joueur d'attaque, j'adore jouer le 4 contre 5, c'est le but du jeu, c'est pas prendre de but. Et j'adore. Je sais pas, c'est un truc, j'étais pas du tout défenseur, mais j'adore cette phase de jeu à 4 contre 5 et avec Cyril, malgré tout, parce qu'on se connaît par cœur. On sait quand y aller, pas y aller. Et... Voilà, pourtant, je suis attaquant, mais j'adore le truc défensif. Incroyable. Après, on avait une équipe bien sûr pour monter. On a perdu un match en saison régulière. On a fait des playoffs, on s'est battu bec et ongles. Et après, bon, notre but c'était la montée. Donc on a gagné c'était la demi-finale. Si on gagnait la demi-finale, on montait sûr. Après, on a fait la finale. On l'a joué, mais c'était pas du tout ça. Pas dans la tête la victoire. On la voulait bien sûr, mais la montée pour nous c'était vraiment quelque chose d'incroyable. C'était un match où il n'y avait jamais vu autant de monde dans la patinoire et c'était une folie. On s'entraîne 4 fois par semaine, lundi, mardi, jeudi, vendredi, et après le match le samedi. Ça fait du bien la petite pause du mercredi, parce que bon, je suis pas professionnel, donc je travaille, donc ça fait du bien quand même de s'arrêter. On s'y fait, hein. On s'y fait. C'est plus la famille qui a un peu plus de mal. Je dirais que ça fait partie de la vie pendant 6 à 8 mois, et quand ça s'arrête, là on s'occupe plus de la famille, on prend plus de temps. Même nous, après, on s'ennuie, on sait plus quoi faire. On est tellement habitué à partir au bout de la France un week-end sur deux, jouer à La Roche. Mais ça fait partie de la vie. Ça, on nous prend comme on est. Ils le savent tous. C'est un exemple, c'est un joueur professionnel, c'est un joueur de NHL. Pour moi, c'est Patrick Kane. Après, en France, c'est plus un ancien joueur avec qui j'ai joué. Je dirais Josh Ranelli, autrement c'est Thomas Kaspar.
Thomas Caspar, c'est quelqu'un qui ne faisait jamais quelque chose, jamais rien dans le vestiaire, mais sur la glace, il disait tout, sans rien dire. C'est un joueur exceptionnel. Josh Ranelli, l'Italien, l'Italien qui s'adore, mais il a un jeu incroyable. Et c'est un joueur même d'équipe à côté, c'est une vie d'équipe. C'est vraiment incroyable, un bon sens du jeu, un bon sens du collectif et un bon sens d'équipe. Après, Patrick Henn, je ne connais pas, hein, je ne suis pas là-bas, mais quand on le voit à la télé, il a des mains, il a un style de jeu, il sait tout faire. J'ai toujours supporté Chicago Blackhawks. Enfin, voilà, c'est l'équipe où joue Patrick Henn, par exemple. J'ai toujours supporté cette équipe. Autrement, en France, non, je ne peux pas, à part l'oubli. Hein. L'oubli, c'est dans le cœur et c'est gravé, ça, pour jamais. Quoi. L'équipe, bien sûr, moi, c'est jouer les playoffs et essayer de monter. Pour l'instant, je pense que c'est dur. On n'a pas une équipe non plus incroyable comparé à certains. On n'a pas le budget, je dirais. Parce qu'on a une équipe quand même incroyable, je dirais, en réalité. Mais on n'a pas le budget pour être comme une équipe d'anglais, de Briançon, tout ça. Mais on se bat, on va donner avec nos armes. On va surtout faire les playoffs et aller plus loin, maximum. Peut-être deuxième, troisième tour, ce serait bien. Moi, à plus long terme, je dirais, pour l'instant, je suis bien ici. Hein. Je me sens bien. Après, j'aimerais être plus incisif, marquer plus de buts. Et ouais, c'est tout, ouais. Faire plaisir surtout. J'adorerais, hein, comme toujours de hockey. Après, jouer à un plus haut niveau français, c'est sûr. Après, je suis pas con. Hein. J'ai jamais eu de contact ailleurs qu'ici. Donc, pour moi, pour l'instant, c'est inenvisageable.